Et donc bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'unboxing de maillot. Donc cette fois-ci c'est chez Five Boundless qui m'a gentiment renvoyé de très très beaux maillots. Franchement vous allez voir, ils sont exceptionnels. Donc j'en aurai un premier dans cette vidéo, un second dans une seconde vidéo. Donc on va commencer tout de suite donc par le premier maillot qu'il m'a envoyé. Donc c'est celui, vous allez le voir, de l'Euro, donc du Portugal. Voilà. Donc ce maillot, il est très stylé, mais il me fait pas très très plaisir à voir. Regardez ce petit badge là. Ce petit badge là, je l'aime pas. J'aurais préféré le voir sur le maillot de l'équipe de France, mais bon, c'est comme ça. Donc on va voir en détail ce maillot. Donc regardez pour l'instant le maillot domicile, donc rouge, qui est franchement magnifique. Voilà. Avec évidemment floqué derrière Cristiano Ronaldo. Donc on va tout de suite passer aux détails rapprochés. Et donc comme vous avez pu le voir, donc le maillot du Portugal, donc en player version encore, parce que maintenant je prends quasiment que les player version, ils sont bien plus confortables pour faire du sport. Voilà, avec le petit Nike Vaporknit, le petit truc là en or, pour dire que c'est en player version. Le petit logo Nike, franchement ici, qui est très quali, comme on peut le voir. Le logo du Portugal thermocollé, donc tout est thermocollé hein, sur les maillots player version. Voilà. Franchement, il est incroyable. Au milieu, le petit badge de vainqueur de la Ligue des Nations, qui est franchement très original, je trouve, comme badge. Donc à la texture, franchement, qui est agréable, hein, qui est très très bien fait aussi. Encore un badge que j'aurais préféré voir sur le maillot de l'équipe de France, mais bon, c'est comme ça. Le numéro 7 de Cristiano Ronaldo, donc on va tout de suite... Oh, la texture. Ah oui. On a une très très bonne texture ici, donc franchement, des flocages qui se rapprochent vraiment des flocages officiels. Donc franchement, n'hésitez pas à commander. Je vous mettrai en fin de vidéo comment commander sur le site Five Boundless. Et donc sur la manche de droite, le petit badge European Champions 2016, donc comme vous aurez pu le voir donc sur la vidéo où j'ai présenté donc le premier maillot de Five Boundless qui m'avait envoyé le maillot de Olivier Giroud, donc l'extérieur de l'équipe de France. Nous, quand on n'est pas champion d'Europe, donc c'est le badge donc Euro donc 2020, donc normal, et les champions donc ils ont ce badge là, donc c'est la première année qu'ils font ça, je pense. Oui, c'est même la première année d'ailleurs, donc un badge franchement original et très bien fait et très beau. Même si j'aurais préféré le voir sur le maillot de l'équipe de France, mais bon, c'est pas grave. À gauche, on ne le présente plus, ce badge respect qui est partout maintenant, donc voilà, vous le connaissez. Sur les manches, donc le petit détail comme ça, donc aux couleurs du Portugal. Voilà, pareil de l'autre côté. Pareil sur le côté du maillot, là en mode, ça fait un petit éclair, hop, aux couleurs du Portugal, franchement c'est très très stylé je trouve. De toute façon, franchement, n'hésitez pas à commander, hein. Les maillots sont vraiment incroyables, ils sont mieux que chez certains revendeurs, donc plus connus comme chez Eastie Soccer. Et les maillots coûtent deux fois moins cher et sont pour moi 10 fois mieux en termes de qualité. Voilà, donc on va tout de suite passer au flocage. Ah si, j'ai oublié de vous regarder à l'intérieur, le petit P pour Portugal, avec les petites étiquettes évidemment. Donc voilà. Et donc au dos, le fameux flocage, donc numéro 7. De Cristiano Ronaldo, évidemment, ça ne pouvait être que lui. Donc le petit flocage, là, franchement, là, le petit détail, voilà. Donc franchement, je disais, les flocages sont très très bons, ça m'étonnerait qu'ils partent là-bas, ils sont assez solides. Et on dirait les mêmes que sur les maillots officiels. Donc le petit flocage Ronaldo, là, voilà. Donc la texture du Ronaldo et du numéro 7, donc sont exactement pareils, il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement, pour 2€ de plus, un flocage comme ça, ça vaut même plus que le coup, donc c'est franchement, c'est limite donné pour moi. Et donc voilà. Et donc maintenant, on va essayer le maillot pour voir ce qu'il donne sur moi. Donc voilà ce que donne le maillot sur moi, donc du taille M, en player version, franchement c'est très bien. Je mesure 1m84 pour aller 70 kg. Franchement, si vous faites le même poids, prenez la même taille. Ils sont juste très bien pour faire du sport, donc voilà, n'hésitez pas à les commander chez Five Boundless. Je vous mettrai donc en fin de vidéo comment commander sur son site, parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé.
Et donc n'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker pour plus de vidéos. Donc plus il y aura de likes, plus il y aura d'abonnements et de commentaires, plus il y aura de vidéos. Et donc j'aurai de plus en plus de maillots. Et pourquoi pas donc vous en faire gagner par la suite. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo. A plus. Et donc pour commander, on va se rendre sur le site de Fash Bundles. Donc on va voir donc un très large choix de nations et de clubs. Donc des maillots rétro, des maillots récents, des maillots player version et fan version. Donc on va sélectionner le maillot qu'on veut, donc celui du Portugal en player version. On peut voir qu'il y a toutes les photos rapprochées en détail donc du maillot, donc ce qui est vraiment très appréciable. On va donc sélectionner la taille qui nous intéresse en M, sélectionner Yes pour le numéro et le nom de joueur. On va sélectionner les badges qui nous intéressent. Et il faut marquer dans le petit carré le joueur qui vous fait plaisir. Donc ici, donc Ronaldo avec le hashtag numéro 7. Donc si vous voulez n'importe quel autre joueur, vous regardez et mettez le bon numéro. Ajoutez au panier, My Card, et voilà. Donc sélectionnez paiement par carte et sélectionnez e-packet pour la méthode d'envoi. Donc ensuite, vous recevrez par mail donc un lien donc de Five Bundles pour procéder au paiement. Donc le mail pardon, peut prendre assez de temps donc à arriver parce que Five Bundles reçoit énormément de commandes. Mais si vous avez une question à lui poser ou un problème, envoyez-lui un mail. Allez, à plus.